Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un classique des sciences sociales, Le Prince de Machiavel. Nicolas Machiavel est un philosophe italien de la Renaissance, né à Florence en 1469. En 1494, les Médicis qui gouvernaient la ville depuis 1377 sont expulsés de Florence. Après 4 ans de dictature théocratique, la République est instaurée à Florence et Machiavel y occupera quelques responsabilités politiques importantes. Mais les Médicis reviennent à Florence et rétablissent la monarchie en 1512. Machiavel est alors déchu de ses fonctions. L'année suivante, en 1513, un complot républicain échoue et Machiavel voit son nom associé à cette tentative. Sa participation n'est pas prouvée, ce qui lui permet d'échapper à l'emprisonnement et à la torture. Il est cependant contraint à l'exil et c'est pour revenir dans les bonnes grâces de la famille Médicis et pouvoir espérer relancer sa carrière politique que Machiavel rédige Le Prince. Il s'agit d'un texte de philosophie politique adressé à Laurent II de Médicis, dans lequel Machiavel montre comment devenir prince et le rester, en s'appuyant sur des exemples historiques. Il y développe une conception amorale de la politique, selon laquelle la fin justifie les moyens. Composé de 26 chapitres, l'ouvrage commence par différencier les deux grands types d'États, les républiques et les monarchies. Machiavel étudie ensuite les manières d'accéder au pouvoir et de s'y maintenir. Pour ce faire, il recommande entre autres de se passer des mercenaires, trop susceptibles de trahison, au profit de la conscription. Il conseille également au souverain d'assurer à sa population un niveau de vie minimal et un minimum de justice, non parce que ce serait moralement bien, mais simplement parce que cela accroît le consentement de cette population à son pouvoir. Dans ses conseils pour la préservation du pouvoir, Machiavel se contente d'exposer les conséquences que l'on peut attendre de chaque action sans jamais invoquer d'argument moral. Sa philosophie politique se veut amorale et a longtemps été taxée d'immoralisme, d'où l'adjectif machiavélique. La postérité d'une telle perspective est considérable. Des penseurs de tous bords reprennent à leur compte l'amoralisme pragmatique de Machiavel. C'est notamment le cas de ce qu'on appelle aujourd'hui la réelle politique, une politique qui se veut pragmatique, comparant des fins et des moyens, dans l'optique de maximiser une action en vue de la défense d'un intérêt identifié. Attention toutefois à ne pas réduire la théorie politique de Machiavel à ce seul ouvrage. Dans son discours sur la première décade de Tite-Live, il développe des perspectives légèrement différentes. Gardons donc en tête les circonstances si particulières de l'écriture du prince. Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt.